Les témoignages se multiplient à l'encontre de Pierre Ménet. Accusé d'agression sexuelle de la part de Marie Portolano dans une séquence coupée du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste », voilà que le consultant sportif de Canal+ fait depuis plusieurs jours l'objet d'autres accusations accablantes. Après le témoignage de Marion Hédalo dans Closer, qui confiait que celui-ci avait ruiné sa carrière après qu'elle ait refusé ses avances, c'est au tour de Alice Belaïdi de dénoncer les agissements de Pierre Ménet à son égard. Notamment les insultes sexistes et racistes qu'il a proférées contre elle. Moi aussi, j'ai été victime de sale bougnoule, salope de la part de ce mec-là, a ainsi confié la comédienne qui a joué dans de nombreuses productions Canal+, au micro d'Europe 1 lundi 5 avril. Je me dis, heureusement que la parole est enfin libérée pour nous les femmes et que ces mecs-là tombent. Ça suffit. Hashtag Méto, ça ne peut que nous toucher, hommes et femmes. Beaucoup de mes potes hommes sont contents que ça sorte aussi parce qu'ils en ont marre d'être associés à ces mecs-là, a-t-elle ajouté, tandis que Pierre Ménet lui, continue d'être soutenu et protégé par sa chaîne malgré les accusations, notamment d'homophobie. Pierre Ménet visé par une plainte pour agression sexuelle. Si certaines ont longtemps gardé le silence vis-à-vis des agissements de Pierre Ménet, il se trouve qu'en 2018, une plainte pour agression sexuelle a été déposée par une vendeuse d'un magasin des Champs-Élysées. On m'avait prévenu de faire attention quand Pierre Ménet arrivait à notre étage. Il s'appuyait sur notre épaule, nous tenait par le bras, par la taille. Et puis il avait toujours des remarques sur nos tenues. On le vivait hyper mal, a-t-elle confié à Mediapart qui a exhumé cette plainte, classée sans suite, mais qui a valu au consultant de Canal+ un rappel de la loi.